Vous avez une augmentation
Oui, je suis un professeur. J'essaie de cerner, j'essaie de vous connaître. Vous savez quel âge vous êtes né où? Vous venez d'où? Vous habitez où? Et votre maladie première a démarré quand? C'est très important que je vous persuade dans votre globalité. Et c'est toi qui lui as dit de faire ça? Non, il n'est pas mort. Bon.
Vous êtes pas mort? Oui, j'ai demandé à la radio, hein. Mon Dieu, Philippe, assoyez-vous. Couchez-vous. Hop, ne respirez plus. Respirez. C'est moderne. La radio. Ça va vite. Oui, alors là, calmez-vous, calmez-vous. Il y a les vents qui te chevauchent. C'est normal, c'est les fontanelles. Alors si dans le cas, vous voulez les rapprocher trop vite, votre cerveau de dame serait comprimé et on serait obligé de vous faire une ponction de la moitié du cerveau pour que ça marche. Donc ça, on ne vous l'a pas expliqué à la naissance. Un cicatrisant, il va grandir comme un fémur. J'aurais plus de place pour mon cerveau. Voilà, c'est-à-dire il faut avoir... Non, non. Est-ce que vous avez quelque chose à mettre dedans? Non, c'est pour ça, ça va taper. Vous n'avez pas le syndrome de Marfan? Quand vous êtes à droite, vous êtes à gauche, ou en bas, ou en haut. Si ça marche, il en bas, non, souvent. Alors, il vous est arrivé un événement indésirable. Est-ce que vous le qualifieriez de grave? Parce que sinon, crac, j'appelle les collègues, hop, on fait le signalement, boum, on vous met la méthode Orient ou celle que vous voulez. C'est la bonne méthode, c'est celle qui est utilisée dans le service. Et le principal étant qu'on ait un plan d'action vous concernant afin d'avoir une action corrective, préventive et qu'au final, vous partiez plus robuste que vous n'êtes rentré sans l'avoir contaminé en forêt. Si ça vous fait rien, je vais aller le faire soigner en Espagne. Hein. Vous m'avez rien dit. Vous savez, je ne vous ai pas raconté parce que j'ai un peu honte, c'est pour ça. Ils m'ont envoyé ici parce que je... Parce que vous pissez partout à l'EHPAD. Vous l'avez remarqué. C'est parce que j'ai eu quelques relations extra... Non, je ne veux pas savoir. Vous me disiez, il fallait tout savoir. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous ne savez pas, si je ne savais pas tout de mon histoire... Est-ce que vous voulez que je vous explique avec qui j'ai des relations, moi? Dans le service. Non, avec qui ça va avec la chirurgienne parce que... Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est... Il va mieux depuis qu'il s'est cassé la tête sur les deux portes qui ont été attachées ensemble. Il avait fait la pédophile, ils ont pris un petit truc, ça a pété. Si on commençait à se raconter nos parcours de oui. Santé, ouais. Ça rapproche. Ouais. Si vous permettez, mais c'est à titre personnel. Après, peut-être je le discuterai en équipe. Je vais vous offrir un prix qui peut vous servir et vous le gardez sur vous. Je veux bien, mais il faudrait que je l'essaye. Vous voulez bien me le mettre? Attendez, je délègue. Il y a une aide-soignante là.